Sologne Pony, ce sont des poneys de 0 à 6 ans, pour l'élevage bien évidemment, mais c'est aussi du sport avec des compétitions gérées par la Fédération Française d'Équitation pour les poneys un petit peu plus âgés. Ce cheminement de témoins nous le raconte. Bonjour Sophie, le Sologne Pony, on part dès 2 ans, on va aujourd'hui jusqu'aux 7 ans, etc. Edith, c'est une vraie revue d'effectifs de tout l'univers poney. C'est vrai que ça rassemble tous les acteurs de l'élevage jusqu'à la compétition, puisqu'il y a même des épreuves Grand Prix qu'on appelle assez élite ce week-end. Donc il y a vraiment toutes les catégories pour tous les publics et pour toutes les classes d'âge. On retrouvera dans quelques instants Lison Rivière qui monte Goldwyn d'Ambay. C'est l'exemple type du poney qui a commencé ici en 2 ans et cet après-midi il sera en 7 ans. C'est un bon exemple pour parler de l'évolution des poneys, de la formation. C'est vrai que c'est un poney qui a été présent sur toutes les classes d'âge, qui n'a jamais loupé une finale du Sologne Pony. 2 ans, 3 ans, il avait classé les 4, les 5, les 6. Là, effectivement, il a fait le championnat des 7 ans qui a été décalé à la mode Ponam, mais là, ils ont remis des épreuves de 7 ans pour faire un master avec la SHF et donc nous on trouvait ça intéressant de pouvoir le montrer encore aux éleveurs parce que le Sologne Pony c'est quand même plus un public d'éleveurs et comme il est étalon c'était assez intéressant et normalement la saison suivante il est censé poursuivre sur le circuit Ponam qu'il a déjà démarré avec Lison effectivement sur les Grands Prix. D'accord, eh bien, écoutez, merci beaucoup Sophie. Nous avons retrouvé Lison Rivière juste au bord de la carrière. Lison, compétition élite, compétition 7 ans, tu es un petit peu engagé partout oui. Sur ce Sologne Pony. Quand tu montes des chevaux, des poneys de 4-5 ans par rapport à des poneys plus âgés, tu montes différemment? Bah, j'essaye plus de laisser apprendre aux jeunes de leurs erreurs et puis de faire progresser. Et puis les 7 ans, et plus de faire au mieux pour être classé. Et puis voilà. Alors, on est ici au Grand Parc à Fontainebleau. C'est pratique pour toi de pouvoir monter dans toutes les classes d'âge au même endroit, y compris jusqu'à élite. Oui, c'est bien parce que comme ça, on vient sur un même concours et puis on peut emmener tout le monde. Et puis, comme je monte les étalons, comme ça, ça permet aux éleveurs de voir un peu tous les poneys. C'est sympa. 17 ans, la suite pour toi, ça va être quoi? Il me reste une année à poney où je pourrais faire les tournées des As. Donc, je vais faire ça et puis ensuite, je continuerai sûrement les jeunes poneys à côté. Et pour prévoir, enfin pour les préparer pour la suite et qu'ils fassent les épreuves As pour d'autres cavaliers. Eh bien, merci beaucoup, Lison.